rapide. Et bonjour. Connectez-vous, partagez le direct. Et bonjour. Tu m'as promis que tu me reviendrais vite. Il est là, Dina, oh, oh, oh. Connectez-vous, partagez le direct. J'étais en déplacement, un peu professionnel, un peu, voilà, pour mettre à jour certaines choses. J'étais en Île-de-France. Comme je n'ai pas encore terminé mon boulot à Toulouse, dans la poubelle, la Toulouse c'est la capitale de la Rose Croix française. Dans la poubelle de Toulouse. Quand je travaille trois nuits, parce que je travaille de nuit. Le dernier jour, je prends mon vol, je pars à Paris parce qu'il faut que j'aménage. Je vais habiter à Bézon. Mon homonyme, la chanson c'est moi j'aime tout ce qui est bien, hein, c'est-à-dire ce qui de la maman là. On lui a pas laissé parler, on a coupé son souffle au milieu. Ah, mon homonyme m'a pris la place de Sam Bende. Hier, quand je suis revenu, j'ai pris un vol à 16h30. Je suis arrivé à Toulouse à 17h30. Et j'ai pris mon service à 20h. Je suis allé directement au boulot. Parce que j'avais pas envie de m'emmerder. J'aime pas m'emmerder. Alors, l'intitulé de cette vidéo, c'est « Je m'adresse aux parents. » Pas aux saletés, là, qu'on jette en villégiature partout, là. Les racailles, là. Les enfants de mon père a voyagé. Ma mère a voyagé, là. Mon père était fâché de ma mère. Quand je suis né, il est parti. Ma mère était fâchée de mon père. Il est parti. Je m'adresse aux parents. Vous savez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Moi, je parle de spiritualité. Et je suis bien ferme dans mes bottes. La vidéo va durer 10 minutes. Parce que je vais prendre service dans 20 minutes. Si vous avez observé, maintenant dans nos familles, beaucoup des enfants ne savent même pas parler leur langue vernaculaire, leur langue initiale, le patois. Beaucoup d'enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et je vous avais dit que 90% au moins des influenceurs sont dans les choses compliquées. Je maintiens mes paroles. Les petites choses que vous voyez s'agiter sur les réseaux sociaux là, ils sont dans des pactes. Ils ont signé des pactes pas possibles. Mais je voulais leur dire que les petites protections que vous faites chez les petits charlatans là, nous on traverse ces protections là, on entre bien sur vous quand vous débordez. Moi particulièrement, il n'y a pas une barrière qui m'empêche d'entrer. Écoutez-moi très bien les parents. Nous là, notre génération là, on a raté. Ok? Les gens de ma génération, on a raté l'éducation de nos enfants. Je m'explique. Quand tu arrives chez moi, je parle français avec mes enfants. Ce qui n'est pas normal. Mes enfants devraient pouvoir parler soit le Bafang, soit le Bakaka, soit le Banganté, soit le Ngumba.
La langue, les cris bien, Ngumba, puisque mes enfants sont cris bien. Mais aucun de mes enfants ne sait même dire bonjour à Siero, Uepamba. Ils ne savent pas dire ça. Notre génération a raté l'éducation des enfants. Les enfants, ça ne s'éduque pas seulement avec les smartphones. iPhone 28, iPhone 22, 9. Il faut éduquer spirituellement vos enfants. Parce que si nous, on peut percer les murs des petites protections des petits charlatans que vous avez, on peut aussi le percer les murs des petites protections des gendarmes qui vous couillent à longueur de journée et qui ne vous disent pas que le spirituel et le temporel, c'est une barrière. On vous met hors d'état de nuit, vous et vos gendarmes, à la con. Écoutez-moi très bien. Vous savez, mes enfants sont mes amis sur les réseaux sociaux. Mais, en dehors du fait que j'ai raté leur éducation ancestrale, c'est-à-dire leur apprendre ma langue, j'ai réussi sur leur éducation en société. Il est strictement interdit à mes enfants de s'adresser légèrement à un adulte, fût-il même président de la République. Ils ne le feront jamais. Je mets au défi quelqu'un à qui un de mes enfants dans les jours au quotidien aurait déjà répondu « Jamais, parce qu'ils savent que je suis une maman pas possible. Rien ne m'arrête quand je veux corriger quelqu'un. Je suis têtu. C'est une interdiction formelle. Ils sont bien éduqués. C'est-à-dire, j'ai réussi sur ce domaine-là. Mes enfants sont sur mon mur. Mais quel que soit ce qui se passe, ils ont l'interdiction formelle. Je leur ai dit ce qui peut arriver. Vous avez vos ADN sur les réseaux sociaux, vous avez vos photos. On peut avoir vos noms. Lorsque tu t'attaques impunément à un adulte et que l'adulte a raison, parce que tout marche avec la raison, cet adulte, s'il est doté de certains pouvoirs, peut te condamner. Après, vous marchez partout, vous venez dire, oh la mère, mes choses ne marchent plus. Un homme me drague lundi, il me jette mardi. Pourquoi il doit te draguer, rester avec vous? Nous, on vous a condamné. Vous blaguez. Vous faites l'intéressant, mais vous ne savez même pas où, à qui vous avez affaire. Ok. Les enfants devraient pouvoir mesurer l'ampleur de ce qui sort de leur bouche. Je vais vous dire comment je fonctionne. Je vous ai dit l'autre jour que j'ai lu l'Ancien Testament, ça me suffit. Je ne veux pas savoir ce qu'on a mis dans le Nouveau Testament. Lorsque vous attaquez un adulte et que cet adulte peut faire pleurer vos parents, il le fera. Aucun gendarme, aucune douane spirituelle ne peut empêcher la riposte de toutes les façons. Parce que lorsque vous allez commencer à errer sans direction fixe, vous savez, j'ai travaillé en psychiatrie et je voyais des jeunes filles très belles, des jeunes garçons très beaux qui venaient tout le temps prendre des médicaments. Tchou, 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 tchou. Ils n'avaient plus de direction. Et parfois, avec mes yeux de visionnaire, derrière ces enfants, parfois, était cachée une main. Lorsque tu m'attaques et que je te donne les avertissements, tu persistes à traîner mon nom dans la boue, tu vas devenir folle. Ça veut dire quoi? Ta mère va pleurer, elle ne mangera rien derrière toi, tu ne serviras à rien. C'est moi qui le dis et je persiste là-dessus. Parce que tout parent aimerait que son enfant lui donne à manger demain. Est-ce que les mamans sont là? Parce que moi, quand j'éduque mes enfants, j'attends que demain, ils puissent travailler, être bien.
être reconnaissant envers moi. Je travaille pas, je me tape pas deux boulots pour leur donner mon argent pour rien. J'ai même mon calepin ces derniers temps, comme les enfants qui sont nés en Bengla sont parfois, on prend leur placenta, les Moukala font les incantations sur ça là. Et parfois quand ils passent, ils disent, ah ben maman, tu m'as appelé, là je suis en train de manger le McDo avec mes amis. Ah non, tu ne manges pas le McDo, tu me donnes l'argent du McDo, madame. J'en ai besoin. C'était juste un coup de gueule. Lorsque tu tapes ta poitrine que tu peux, je te montre que tu n'es rien. C'est de bonne guerre. Après, on ne pleure pas. Hein? Parce que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, tu seras humilié encore sur ces réseaux sociaux. Est-ce que vous avez compris? Mais vous vous prenez pour qui? Vous vous croyez où? Il y a un adage en français qui dit, quand tu sèmes le vent, tu récoltes la tempête. Dites à vos enfants, chère maman, que le monde est spirituel d'abord, est physique ensuite. Dites-leur que le monde est basé sur trois astrales. L'astral céleste, où vivent des esprits. L'astral aquatique, où vivent les esprits. Et l'astral terrestre, où vivent les humains et les esprits. Ok? Chère maman, vos enfants qui cherchent les problèmes, on va les rendre inutiles à la société. Envoyez-les dans les universités, qu'elles fassent même 10 ans d'études. Elles ne pourront pas rester 2 jours dans un boulot. Elles vont devenir folles. Même les fous ordinaires seront mieux qu'eux. Maintenant, si vous savez rédiger des plaintes, nous on n'en a rien à foutre. On va les mettre dans le même paquet avec leurs gendarmes. On n'en a rien à cirer. Parce que si je voulais regarder seulement les numéros de téléphone des gendarmes qu'il y a dans mon répertoire, je serais en train de... C'est-à-dire, je vivrais à la gendarmerie. Si je voulais regarder le numéro de téléphone des généraux, et même dans mon répertoire, il y a même le numéro de téléphone de première dame. Quand je le dis, je suis sérieuse. Et bonjour. Vous croyez impressionner qui? Dites ce qui est juste. Quand vous voulez faire votre vie, personne ne peut vous empêcher de faire votre vie. Dites à vos enfants de faire ce qui est juste. Dites à vos enfants de ne pas porter les karmas qui ne sont pas leurs. Quand je donne un avertissement, je passe à l'acte. J'en ai rien à foutre. Même si c'est toute la République qui se met devant moi, je passe à l'acte. Quand un enfant est mal éduqué, il faut qu'on montre à sa mère que tu as raté quelque chose là-bas. Tu vas au moment opportun, toi la maman, quand ton enfant a fini de porter un karma qui n'est pas sien. Vous avez vu la ligne verte? Dans le film La Ligne Verte, le monsieur qui avait des pouvoirs, qu'est-ce qui s'est passé? Il était acculé par un gendarme qui était méchant. Il avait en face de lui celui qui était bon. Il a retiré l'esprit qui oppressait celui qui était bon. Il a versé ça sur celui qui l'emmerdait. Nous, on va retirer les esprits qui embêtent d'autres enfants qui sont pollués. On va verser ça sur vous. Shitpot. Allez, bonne soirée. Je vais bosser. Je vais faire des transmissions et tout. Vous avez, éduquez vos enfants. Éduquez vos enfants. On ne pleure pas. J'ai dit ça combien de fois? On ne pleure pas. Éduquez vos enfants. Parce que moi, personnellement, mon enfant, je suis sûr, ne manquera jamais de respect à personne. Mais si l'enfant d'une femme qui a poussé contraction comme moi me manque de respect, je te rends inutile à ta mère. Elle va marcher partout là où elle veut, elle peut saisir tous les gendarmes de la tête. Nous, on n'en a rien à foutre. C'est de bonne guerre. Bonne soirée, au revoir.